19h, tu es bien dans The Big Game of Ski une fois de plus, et on va se faire un jeu aujourd'hui que je n'ai encore jamais chroniqué puisqu'il s'agit de Psyvaria. Comment ça, on vient juste de le voir la veille? Oui, ça arrive. Bon, alors aujourd'hui on va faire un shmup que je n'ai jamais chroniqué et même jamais essayé, c'est Psyvaria Revision. Oui, oui, parce que souvent les éditeurs en fait sortent un jeu, puis au final ils sont satisfaits, mais satisfaits moins. Ils savent qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas réussi à faire et qu'ils auraient bien aimé implémenter dans le jeu. Puis d'un autre côté aussi, il y a des critiques des joueurs qui disent « Ton jeu, il est sympa, mais il est raide, hein, des fois. » Et c'est vrai que Psyvaria, comme petit manic shooter, ne déroge pas la règle. Il est relativement raide et il y a des moments où il va vous falloir apprendre quand même un minimum de choses pour gérer vos positionnements à l'écran dans cet enfer de boulettes qui est en train de virevolter autour de vous. Donc je remets le fly pour les gens qui auraient raté le stream du Psyvaria original. Et bien aujourd'hui on retourne dans la version révision, donc histoire de voir si c'est différent, si c'est plus compliqué, si c'est plus simple. Je n'en sais absolument rien. Je vérifie que ma capture va failler au démarrage, histoire d'être sûr, et je lance le jeu aussi sec. Hop, on se met direct dans le jeu, histoire de pas rater l'intro, ce serait moche. Alors, je vous rappelle que sur le premier volume, il y avait méchamment de quoi lire à l'intro. Je vais juste faire un tout petit réglage son, puisqu'il est un poil fort. Que j'ai pas envie de hurler dessus, vu que c'est ce qui risque d'arriver moi, pendant la partie. Donc pour les gens qui auraient raté la précédente review de Psyvaria, le principe est toujours le même, c'est, vous n'avez pas de bonus, vous n'avez rien, c'est le leeching des boulettes qui va vous faire augmenter votre expérience. Et votre expérience, en augmentant, va vous donner un tir amélioré. Le jeu est pas visuellement monstrueux. Par contre, les vedettes de ce titre, ce sont les tirs. Ah ouais, ils ont modifié apparemment de trois petites choses. Ah oui, même plus que ça. Ouh là là, mais t'as vu que ça va pas être plus simple. Et donc, comme tout manique qui se doit, ce qui prévaut, c'est la lisibilité avant d'avoir un fond qui est magnifique. Il faut l'avouer. Est-ce qu'il va être mieux que son prédécesseur? J'ai le doute. Moi, je dirais pire. Oui, mets des crédits, mon fils. Tu n'as pas fini de souffrir. Normal mode ou replay mode? Eh bien, je vais prendre le normal mode car j'ai tout à fait compris que c'était le mode qu'il me fallait. À quoi il correspond? Je n'en sais rien, je lis toujours pas le japonais, mes amis. Bon, c'est un trop gros. On y va. Alors, pensez à glitcher les boulettes pour faire du level. Il y a toujours une fonction gauche droite. Non, elle n'est plus. Voilà, c'est moi qui ne les défends pas. Alors, le vaisseau, des fois, me semble faire des choses avec son tir, où il augmente tout seul. Oui, il faut y aller, hein, parce que... Un bon ennemi est un ennemi mort avant d'apparaître dans l'écran. Moi, c'est mon dicton à moi, ça. Alors, je pense qu'il y a des gens qui connaissent le jeu un petit peu par cœur, qui eux doivent jouer totalement différent, et justement se servir de la barre d'expérience.
où ils doivent attendre exprès à un moment que l'écran se remplisse pour faire agir l'expérience, puisque quand on passe un niveau, bim, tout ce qui est à l'écran, ça dégage, vous avez remarqué. Toujours le principe de pouvoir choisir sa route si on veut. Et je vais rester dans la modestie, modeste. Alors, il y a des petits changements, mais c'est pas énorme. Hein. James Brown aurait dû faire une chanson comme ça. Level up, don't level up. Level up, don't level up. Like a shift machine. Ouh, booyah baby. Comment ça, il faut surtout pas que je chante pendant les streams. Oui, je suis super d'accord avec vous. Donc je rappelle mon conseil sur la précédente chronique du titre. Ne faites pas des grands mouvements, ça sert à rien. Votre vaisseau est très très lent. Ouais, le fumier. Par contre, des petits coups de pad, bienvenue au dernier moment pour corriger le cap, ça fonctionne à peu près. Alors après, il faudra du sang-froid pour aller avec, ça va pas mal. Tu as bien fait de crever, mon gros. Alors, je sais pas comment dire par rapport à son prédécesseur. Il y a des petits changements, des petites modifications. J'arrive pas à conclure si elles sont dans un bon sens ou un mauvais sens. Pour l'instant, je dirais plutôt un bon sens. Vu que je m'en sors à peu près bien. Mais bon, je m'en sors à peu près bien parce que j'ai déjà joué à son prédécesseur, déjà les d'une. Ah, putain. Bon, là, ils ont changé 2-3 trucs. Et pas le fond, tout ça. Ils ont évolué beaucoup les fonds, apparemment. J'ai l'impression que les boulettes bougent encore plus lentement. Et je crois pas que ce soit une impression. Je me mets toujours sous le dernier. Alors, est-ce que ce Psyvariar révision va finir au grenier? Bah, certainement pas. Est-ce qu'il va finir dans les tops? Certainement pas non plus. Il reste du même niveau que son prédécesseur, un Psyvariar normal, entre guillemets. Si ce n'est que bah il y a eu des petites évolutions sur le décor, sur quelques patterns, mais il n'y a rien de flagrant, il n'y a pas de nouveaux ennemis à proprement parler, quoi. Ou alors j'ai mal regardé, voilà, c'est pas un nouveau jeu. Purée, j'ai cru quoi là.
Quoi? Bon, il y a des petites saccades derrière, c'est normal, hein, c'est l'émulation. Je suis pas sur la borne d'origine, forcément. On subit les petits tracas habituels, et je ne sais pas où passer. Hop, 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 hop. Oui, bon, on improvise. Hein. Oui, ça, c'est pas improvisé, c'est prévu, ce bombe. Mais ce n'est que le début de la fête, bien entendu. Ah non, je me jette dessous. Nous allons faire ça, cette plaisanterie bien vite. Ce fut un peu mode boucherie, mais bon. Il faut ce qu'il faut de temps en temps. Le niveau de la fête ultime. Ah oui, c'est, j'avais complètement oublié le nom. Ils appellent ça les buzz, le fait de licher les gueules. Donc si vous faites du buzz, vous le saurez maintenant. C'est que vous êtes en train de vous frôler à des tirs nombreux, denses et conséquents pour impressionner les gueules. Ceci dit, j'impressionne jamais longtemps dans ce genre de titre, hein, je dirais. J'arrive pas à faire une vision très longtemps. Ça, c'est check. La musique est énorme. Oui, je ne cesserai de répéter qu'il faut un vrai stick arcade pour jouer à ce genre de jeu. Sur un pad, c'est un peu catastrophique niveau rendu. Mais ça passait, monsieur, vise un peu, bordel. Non, là, ne vise pas, tu as fait de la merde. Ça veut pas aujourd'hui, hein, ça veut pas. Et quand ça veut pas, on bombe. Qu'est-ce que c'est, là ? Si vous voulez me cotiser pour m'offrir un stick arcade, c'est le moment. Je vous rappelle qu'il y a un Tipeee. Le Tipeee, c'est surtout pour des trucs vraiment plus utiles pour la chaîne d'abord. Mais si un jour, je sais pas, Monsieur Bolloré, Monsieur Bolloré, tu te gourres, tu veux faire un don à ton parti favori et ça tombe sur The Big Game of Ski, je me paierai un pad arcade en ton nom.
Je mettrais peut-être un portrait de toi à côté. Je ne dis pas dans quelles conditions, mais voilà. Je sais pas comment cette conversation a dérivé jusque-là. Et on y retourne. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il me lance une démo après. Je n'ai rien compris. Donc, Psyvariar, tu es validé malgré le game over. Tu es validé malgré tes graphismes qui, pour les années 2000, sont quand même très très moches. Tu es validé surtout pour tes trames de boulettes qui sont assez méchantes. Et du coup, on aime ça parce qu'on se dit du premier coup, ça ne passe pas, c'est intéressant. Tu me parles, toi, tu me parles. Je vais te revisiter. Voilà, je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des shmups, et puis je vous mets un petit stream bonus au cas où vous auriez encore des envies de tirer dans tous les tas, dans tous les sens. À demain 19h, même endroit, ciao, abonnez-vous.